tout à l'heure, c'est il y a beaucoup d'idéologie. Et il y a justement l'idéologie de que les blancs, les noirs et tout le monde soit en concurrence. C'est tiens bon sur la charrue. La charrue, c'est l'évangile. No, let it come in. Just look ten window pane. Keep your head on the plow. C'est dans la tradition des blues blancs. Parce qu'il y a le blues blanc et il y a le blues noir. Baby, one.
Gabriel qui vont vous chanter quelque chose. C'est une balade américaine qui vient d'Angleterre. La plupart du répertoire de folklore américain est importé, a été importé des îles britanniques avec les immigrants dans les années de l'immigration. Alors, ça veut dire que... dans le début, quoi, au début. Et c'est une balade très triste. La plupart des balades anglaises sont très tristes. Il y a toujours des meurtres abominables. Alors là, par exemple, il y a trois personnages dans l'action. Et il y a trois morts à la fin. Ça s'appelle Lord Thomas and Fairlander. C'est marrant comme ça à raconter, mais c'est une chanson très très triste. C'est une boucherie, quoi. C'est vraiment la boucherie totale. Mais c'est quand même triste. Parce que dans la chanson, ils disent pas que c'est une boucherie totale. Ils disent que... poignard dans le cœur et tout, c'est affreux parce que il y en a une qui tue l'autre parce qu'elle est jalouse. Alors le monsieur, enfin parce que c'est un bonhomme et puis de votre femme. Oui. Alors il y en a une des deux qui tue l'autre. Alors lui, il tue l'autre là, qui l'a tué. La salope quoi. Et après il met la poignée contre le mur et la pointe contre le cœur. Puis il doit se laisser tomber dessus quoi. Alors oui, c'est vraiment... Ça s'appelle Lord Thomas and Fairlander, c'est très joli, c'est très long. Oh father, come riddle to me. Come riddle it all as one. And tell me whether to marry Fair Ellen or bring the brown girl home. The brown girl, she has gone.
s'appelle We're Down in North Carolina. C'est une chanson qui s'appelle Don't Let It Go Down, ça veut dire You Don't Think About Me. C'est l'histoire d'un type qui voyage. Et puis quand il voyage, sa femme elle vagabonde de son côté. Et quand il se retrouve, sa femme lui saute au cou parce qu'il revient avec de l'argent dans ses poches.
regarde, c'est assez troublant parce qu'on pense que c'est un des premiers instruments à vendre et que ça servait aux muets il y a très longtemps pour pouvoir s'exprimer. C'est une histoire de libération, c'est un évadé qui s'évade, enfin un prisonnier qui s'évade, et alors il est content, quoi, il pète de joie. Il envoie balader tout ce qu'il faisait su avant, son capitaine par exemple, le type qui les surveillait en train de casser des cailloux. Yeah.
disque qui va être pendu. Alors, il n'est pas du tout d'accord parce qu'il soupçonne qu'on va le prendre pour lui voler son violon. Alors, comme il est écossais et qu'il n'est pas content du tout, il casse son violon avant de mourir. As I walked upon a top of the hill, when the moon shined clearly, one will lay a set by me, and know the time was holy. And she sing a lent a deedle and a deedle and a deedle, had the single and the dee, had the single and the dee, had the lendy. And she sing a lent a deedle and a deedle and a deedle, had the single and the dee.
at the single and the free as you live. C'est une chanson très très triste. Le titre lui-même est assez. Aujourd'hui, le titre c'est Today has been a lonesome day, c'est-à-dire aujourd'hui a été un jour très très pénible, très long et lonesome. Alors, c'est un espèce de blues campagnard, pas très blues d'ailleurs, mais enfin le style, la façon de penser. C'est blues dans l'esprit. Moi, je suis mort. C'est un morceau instrumental qui s'appelle The Mississippi, oui, The Mississippi Sawyer, c'est-à-dire les sieurs du long du Mississippi. Voilà.
morceau qui a été fait pour être joué au violon, mais qui imite le son de la cornemuse. Ça, c'est quand l'air il rentre dans la poche. Moi, je vais gonfler ma corde. Alors ça s'appelle John Hartie. Voilà.